Allez, mets les trophées 2, notre prix à gagner, qui emportera en taille. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, à l'heure qu'on se retrouve sur pour la suite du challenge de Super Smash Bros. Melee. Et on va essayer d'enchaîner dans cette vidéo, dans cette avant-dernière vidéo, moins 20 challenges, enfin moins 20 events. On va prendre Kirby, t'es. Puisque j'ai envie de tout regrouper, voilà, dans cette vidéo et dans la prochaine, histoire qu'on finisse ce challenge assez rapidement, puisque Smash Bros. Wii U sort officiellement demain. Et bien, je ne l'ai toujours pas, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà. Et voilà. C'est pas que je suis deg, mais bon, je suis un peu impatient, donc j'ai envie de finir ce challenge rapidement pour pouvoir jouer, bien sûr, à la nouvelle monture. Je fais n'importe quoi. Ah oui, ça, alors ça, c'était magnifique. On va prendre la batte, voilà. Ça a quand même été mieux comme ça, merci. Et Ness, qu'est-ce que tu fous, Ness? Ah, mise en de vie. Ah, merde, mais... Et ma batte, ah, elle est là-bas. Pourquoi je l'ai perdue? Putain, je les ai ratés. Non! Non! Ah, dégage Pikachu! Il fait chier ce Pikachu là. Mais. Allez, prends-toi ça! Putain, je vais. Et ben voilà. J'y crois pas quoi. Espèce d'enfoiré de Pikachu de merde. Alors, gants de fer avec Samus, ses chasseurs de prime sont sans pitié. Ok, c'est parti. Franchement, j'essaie de me grouiller, parce que j'ai failli pas faire cette vidéo aujourd'hui, tellement mon PC m'a gonflé. Il a installé plus de 120 mises à jour Windows. Et là, il a mis presque une demi-heure quoi à activer ses mises à jour, à se paramétrer, à configurer tout ça. Il m'a gavé, quoi. Déjà que j'ai pas trop le temps, alors si en plus le PC met 3 heures à démarrer, c'est un peu compromis. Donc ce terrain, je déteste, déjà. Celui qui m'avait fait perdre dans le mode All-Star dans la dernière vidéo, avec le magnifique Kraid en arrière-fond, qui devait être à l'origine d'ailleurs dans Metroid Prime, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais qui n'a pas été inclus au final, je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais... Allez hop. Je sais plus pourquoi, ouais, il avait été annulé. Peut-être qu'ils n'avaient pas eu le temps de le mettre. Certainement une histoire de temps encore. Qui est un peu chiant, il y a pas mal de jeux GameCube qui par manque de temps, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment finis, hein. Un peu comme Wind Waker aussi. Wind Waker qui devait avoir plus de temps que ça. Ils vont partir un peu. C'est pas possible ça. Je fais toujours un peu les mêmes coups d'ailleurs, mais... Alors mettre des petites bombes comme ça. Prends-toi ça. C'est pas mal les bombes pour augmenter... Oh non, l'autre est invincible. Pour leur faire rapidement augmenter les dégâts. Mettez plein de bombes. C'est bon, vous avez 240, vous êtes content? Putain, mais il y en a un qui a 2 vies encore. Il va partir! Ah, mais ils sont métalliques, ouais, d'accord. Elles sont métalliques, j'ai même pas fait gaffe. Ok. Oh, putain, mais c'est chaud ce truc! Je suis encore mort. Bon, il restait une vie à une Samus. On enchaîne les fails. Chaque Kirby a une attaque spéciale. Ok. On va devoir tuer une cinquantaine de Kirby, certainement. Qui c'est que j'ai pas trop pris? Je sais plus trop, je crois qu'on a pas trop pris Mario d'ailleurs. Allez, un peu Mario, c'est parti. Ouais, il reste plus que 20 défis. Enfin, 16 events. Il reste le défi de Link Orange, que je ne pourrais débloquer qu'en faisant le event 51. Donc voilà, je vais faire d'abord les events, en espérant finir le 51. Comme ça, je ferai ensuite en dernier le défi de Link Orange. Terminé, d'accord. Je rêve ou j'y arrive pas du tout là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, partez! J'ai qu'une vie pour faire ça? C'est chaud! Attendez, je vais crever là. Attendez, il y en a 4 contre moi! What the fuck, hein? Allez! Oh là là, sur la bombe! Oh, le Zubard! Je fais vraiment la grosse merde là. Rencontre Ganondorf, je suis en équipe pour combattre le mal. Je suis en équipe contre qui là du coup? Avec Zelda, d'accord. Alors on va vaincre le mal. Oh, ça va pas faire comme Ganon là qui m'avait violé complètement. Hein. Allez. Bonne attaque smash là. Petite flèche dans la gueule. Oh, il est relou lui. C'est vrai qu'il n'y avait pas de difficulté dans ce mode de... Dans ce mode event, c'est assez bizarre.
Ah, merci Zelda! Pour une fois qu'on voit Zelda qui se bat à mes côtés. Ah ça, là c'est Shek. Déjà plus logique. Quoique Shek, je pense pas qu'on l'ait déjà vu en fait en train de battre Ganondorf non plus, mais bon. Ah! Je voulais balancer une bombe. C'est bon. Je pense qu'on va rapidement l'éjecter là. Il ne reste plus pour longtemps. Ah, je l'ai raté avec mes BO. On va essayer de l'attraper avec le grappin. L'attaque que j'utilise jamais. Oh putain. Allez, ah, mais il a deux vies. Oh là là. Allez, viens par là. Putain, il a réussi à esquiver mon coup. Bon, ça suffit là. Hein. Mais c'est pas vrai. Je vais me faire enchaîner. Oh putain. Ah non, on va pas te caler là-bas. On va pas arriver à le faire crever là. Bon, attendez. C'est incroyable. C'est incroyable. J'arrive même pas à le faire partir alors qu'il a 300. What the fuck? Putain! Bon, déjà, mon allié il est pas mort encore, mais. Attendez, mais c'est hallucinant, je vais attaquer là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce Link de Pacuti? Allez, voilà. Bon. Faut dans le cœur, hein, parce que là... Oh là là, bah c'est mort. Oh, que des fails. Allez, 30. All-Star Match, toujours le même principe. Il faut qu'on mette plusieurs adversaires d'affilée. On va prendre qui? Allez, on va prendre Zelda. J'en suis à 7 minutes, j'essaie vraiment de me grouiller. Alors, petit Kirby. Ah, j'adore ce stage. La fontaine des rêves, qui est très jolie. Je vais aussi changer un truc dans les paramètres, j'ai vu. Bon, laisse-moi attaquer, merci. On va se mettre en check aussi, je préfère check. Ah, Kirby check. Pas mal ça. Le fouet est vraiment pas très efficace, hein. Franchement, c'est pas une attaque très... Autant il est bien pour les cibles, pour le tableau de cibles, autant en attaque pure... Ok, d'accord, l'étoile a disparu. Non mais l'étoile a disparu. Ce jeu est bugué. Pourtant c'est le vrai jeu, je joue pas sur émulateur. Oh non, pas Mélofée, qui est très puissant. Allez, putain, mais c'est incroyable, j'ai l'impression de jouer mal, mais mal. C'est ouf, quoi. Prends-toi le tonneau. Merci. Il faut que j'utilise les obus pour gagner. C'est quand même un comble. J'ai qu'une vie pour tous les battre. Ah oui, d'accord. C'est quand même pas si évident que ça. Allez. Le stat Pokémon. Avec les infos qui s'affichent derrière, il me semble. Une petite fleur. Hop là, on enchaîne, bon ça fait pas grand chose ça. Hein. Ça fait quoi déjà Bégo, je mets droite, non ça, c'est juste le fouet, c'est de la merde. Et B normal ça fait quoi déjà avec Shek? Tiens c'est quoi ça? Je balance un truc mais c'est vraiment pas efficace. Oh là là. Elle a pas l'attaque vraiment très puissante en fait Shek. Hein. Des fois quand même Zelda est pas mal aussi. Pas mal, j'ai l'impression qu'elle a des attaques un peu plus puissantes quand même. Allez balance-le. Oh là là. Il y avait quoi là? On sait pas ce que c'est. Putain, il y a une bombe à gauche. Non! Oh putain, j'ai pris la bombe. C'est la honte. C'est la honte. Mario Bros, sortez les outils, les plombiers sont de retour. Bastien, tu me disais que j'allais peut-être réussir mon premier challenge, mais là, c'est vraiment mal parti. Je fais tous les fails là, mais c'est pas possible. Pourquoi j'enchaîne autant? J'étais dans une bonne moyenne là. Apogée! Allez, contre les deux. Plombier là, putain, je vais pas tomber dans le trou, hein, c'est bon. Hop, attendez, je vais essayer de me mettre un peu à l'écart, comme ça, je les attends. Putain, il va essayer de m'avoir. Saloperie. Yar. Voilà, ah, mais ils rebondissent contre. Ok, d'accord. Cette vidéo n'aurait pas dû être tournée, en fait, c'était ça. Hein. Mon PC me disait... ne tourne pas cette vidéo à Alric parce qu'il n'y aura que du fail, c'est pour ça que, voilà, il voulait pas démarrer. Là, c'est la honte, hein. C'est bon, j'ai eu un point.
Faut juste que je gagne le combat en fait, là c'est juste un combat normal, c'est comme si j'avais mis le mode mêlée. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, il essaie de m'éviter. Franchement, c'est vraiment des lâches, des fois les CPU. Putain, mais... C'est pas drôle, hein, c'est pas amusant. Il essaie à chaque fois de m'esquiver, c'est pas un combat ça, hein. Allez, mais venez par là, bordel. J'arrive pas à prendre la Pokéball. C'est pas... Oh putain, oh putain, remonte! Ah, oh, j'ai failli mourir. Oh putain, non, pas par là! Mais non! C'est la honte, hein. Franchement, c'est honteux ce que je fais là. C'est hallucinant. J'arrive pas à jouer. En même temps, j'arrive pas à les faire partir, quoi. Ah, voilà, quand même. Il est à 150. Ah, merci, il y a une bombe. Bon, ça va peut-être me permettre de gagner. Putain, l'autre, il passe de l'autre côté. Oui, attrape-moi. J'aime bien me faire attraper. Eh, bah, dis donc. Success, mais alors... C'est vraiment pas terrible, hein. Arriverez-vous à faire plus de dégâts à Rondoudou que les Arwing? Ah, ça, c'est marrant comme truc. Il faut s'acharner contre Rondoudou. Lui va évidemment essayer de m'esquiver. Et la Wing, là, ce sont les vaisseaux, bien sûr, qui vont tirer dans tout. Ben voilà, ils l'ont déjà tué. Je sais pas si j'ai fait plus de dégâts que, sachant que Rondoudou, vous voyez, il commence le combat déjà à 70, hein, 70%. C'est fait exprès. Ah, putain, j'ai raté mon tir avec le truc de glace. De toute façon, faut pas réfléchir, faut l'enchaîner. Sauf que le problème, c'est que les Arwing. Ah là là. Ils occasionnent énormément de dégâts à Rondoudou avec un seul tir, alors que moi, il faut que je frappe plusieurs fois avant de lui infliger autant de dégâts, quoi. Putain, en plus, je me fais aussi enchaîner. Allez, pars. Prends-toi ça. Non, pas l'étoile d'invincibilité, je sais pas où elle est. BAM! C'est bon, je t'ai tué trois fois. C'est bon. Alors, 33, marathon fatal, atteignez les machines de F0 et atteignez la ligne d'arrivée. Bon, c'est un peu comme ce qu'il y a dans le mode aventure, ça, non? Il y a un truc comme ça, ah bah oui, voilà, c'est exactement pareil. Ah bah c'est le même truc, sauf que là on est beaucoup plus rapide. Attention. Et bien voilà, ça c'est fait. Ça va tellement vite que j'ai même pas réussi à monter. Les gars, vas-y, qui sera le plus fort. Je crois que je déteste cet event. Ah oui, voilà, on a 3 vies chacun. C'est un truc super long, ça. Et je me rappelle que j'avais galéré à mort à l'époque pour qu'on le réussisse. On se relayait avec mon frère et ma soeur pour faire ce truc. Je m'en rappelle encore. Tellement c'était chaud. Allez, ça c'est ma chance. Ah, yes. Une vie de moins. Allez, putain. C'est pas forcément parce qu'on a Link enfant qu'on est désavantagé, mais bon. Non, pas toi, pas Starry. Voilà. Allez, foiré. Allez, viens par là. Vous voyez l'attaque qu'il vient de faire là? L'espèce de coup d'acharné là. Oh là là. Ah mais attendez, il est mort avec. Qu'est-ce qu'il a foutu? Il est tombé tout seul. Ah, je vais essayer de tenter la technique que m'avait conseillé Link Orange, là, de faire tomber le CPU, en fait. C'est assez chaud, mais il faut le faire tomber entre le... entre les plateformes au milieu, en fait. Voilà, vers là-bas, à gauche. Sauf que, bon, mon ennemi n'est pas aussi gros que le gros Link que j'avais combattu précédemment. Mais c'est vrai que c'est pas mal quand même d'essayer de faire bugger le CPU pour qu'il tombe et ne parvienne pas à se rattraper. Sinon, je fais comme ça, voilà, ça c'est pas mal. Ah non! Ah putain, je suis tombé trop loin. Petite baguette qui va peut-être m'aider. Allez, on charge. On charge. La pluie change. Tes étoiles est en moi. Allez, attention, on va du balancer. Ah putain, t'as réussi à parer mon coup. Putain, il m'enchaîne, il m'enchaîne. Ah oui, il est chiant avec son grappin là. Allez, prends-toi la carapace. Yes. Parfait. Attention, ils sont grappins. Voilà, nickel. Ouf. Yes, j'ai réussi. Ah, je suis content, parce que celui-là, il est pas évident, quand même. Alors, visite médicale. Depuis quand les visites médicales font-elles aussi mal? On se tape Luigi.
qui était une très mauvaise chose. Hein. Alors, oh, parce que je me rappelle qu'il est assez chiant lui aussi. Parce que les deux CPU là, ils sont des acharnés. Regardez-moi ça. Je vais même pas me faire soigner et non. Qu'est-ce que c'est que ces docteurs quoi? D'accord, j'arrive même pas à revenir. J'aurais dû faire B gauche ou B droite. C'est ça qu'il faut faire avec Luigi. Et voilà, j'ai été pris dépourvu. Et j'ai pas réussi. Alors, NES, c'est le dernier recours contre l'invasion de la Terre. Celui-là aussi est extrêmement chaud, je me rappelle. Il faut vaincre 5 ennemis, me semble, voilà. Avec NES. Donc, autant dire que c'est pas gagné. Viens par là, Samus. Attends, qu'est-ce qu'il a déjà? Ah oui, ça c'est pas mal aussi. B gauche, B droite. Pour enflammer les ennemis. Bon, il faut le faire dans le bon sens, hein. Ça fait pas mal de dégâts. Et après, merde. Merde, elle est de l'autre côté. Viens. Allez, vite. Voilà. On enchaîne. Ah, on reste ici, d'accord. Je crois qu'il y a deux combats et après on change d'arène. Avec Kirby, bon, ça devrait le faire. Ce qui est bien avec NES, c'est que son attaque smash, c'est la batte. Ah, nickel. Il y a l'étoile. Oh putain, j'ai de la chance là. Vous voyez, c'est la batte. Bon, la batte n'est pas aussi puissante qu'une vraie batte. Hein. Encore heureux, parce que sinon NES serait complètement cheaté. Mais c'est quand même bien puissant la batte, quoi. Laisse-moi t'enflammer la gueule. Ok, d'accord, je reviens pas le frapper, tellement qu'il est rapide. Il se protège. Bon, en même temps, ici, c'est pas forcément le meilleur moyen d'attaquer. Hein. Cela me dire. Sinon, il y a cette attaque avec B, là. Mais elle est vraiment pas terrible, elle est vraiment trop lente à faire, à exécuter. Laisse-moi te balancer la bombe dans ta gueule. J'ai raté. Allez, hop. You combo. Attention. C'est parfait. Voilà. Bon, les deux derniers combats, en fait, se passent autre part. Ok. J'ai presque 100%. Ça va être hard. Oh putain, sur ce stage-là. Oh putain, contre Falcon en plus. Oh, je vais me faire démonter. Je vais me faire démonter la gueule. C'est bien parti. Pour... Je vais l'attendre. Oh putain, non. Ah là là. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de partir. Oh non. J'étais presque. Allez, Mewtwo. Voilà. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas lu l'intitulé. C'est quoi le truc? On peut même pas voir l'intitulé, d'accord. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'aurais dû lire au lieu de regarder mon PC. Putain, lecteur. Est-ce qu'il est avec moi, le truc? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que Rondoudou est avec moi déjà? Je ne sais pas. Il a pas de cœur au-dessus de lui, donc je suppose qu'il est pas avec moi. En plus, il fait popper des espèces de Pokémon de la mort complètement cheatés. Gros légendaire. Le temps déjà est infini, ça veut dire que j'ai le temps. Je pense qu'il faut que je les vainque tous. Ah, c'est pas mal cette attaque là de. Espèce de choc mental avec Mewtwo. Dégagez. Est-ce qu'il faut que je touche Rondoudou en fait? C'est ça le truc. Je pense qu'il faut que je tue Rondoudou plutôt. Et c'est comme s'il était. Avec les gardes du corps. Mais faut que je mette les Pokéballs aussi. Pourquoi je les prends pas? Ah oui, d'accord. Dès que moi je prends une Pokéball, c'est Culbuto qui vient. Quelle malchance. Et lui, évidemment, c'est Entei. Oh là là. Allez, voler. Voler. Non. Oh le con. Putain. Mais genre, il m'a touché une fois, Rondoudou. Il m'a tué. N'importe quoi. L'équipe de ce classique de la NES est prête à combattre. On va reprendre Game & Watch pour la peine. Ouf. Allez. Hop. Ah bah oui, là c'est vraiment tout le gratin. Hein. Mario, Luigi, Peach. Sauf que Peach est complètement conne. Et Luigi d'ailleurs l'a rejoint. Et moi aussi. C'est magnifique. Allez, on est encore sur le stage de Mario Bros 2. Je remercie d'ailleurs ceux qui sont venus au live. Le mec il place ça. Ce remerciement en plein milieu de la vidéo du challenge, ce qui est tout à fait inapproprié. Vous me gonflez là. Putain, il me saoule. Allez. Oh putain. Oh là là, mais je peux rien faire, c'est hallucinant. Que de fail. Je suis désolé, c'est lamentable. Devinez qui la vedette aujourd'hui. Rondoudou, super. Que de Rondoudou. On va voir qui c'est qui est le plus fort, l'attaque repos ou roulade. Ok, d'accord.
D'accord, je les rate. Et c'est pas évident de faire l'attaque repos contre eux parce que ils sont pas très. Ils sont pas très gros quoi, les rondoudous de base. Putain, ronflex quoi. Au secours. Évidemment, ils se prennent pas ronflex. Deux de moins. Moi aussi. Oh là là. Allez. Qu'est-ce que je peux faire comme stratégie? Ça. Bon, c'est pas mal déjà. Bon, Smogogo. Je peux faire quelques dégâts, mais pas terrible. Sinon, bon, je peux faire la loyale. Ah, une petite épée, ça c'est pas mal, l'épée laser là. What the fuck, j'ai dû me prendre une bombe. J'ai toujours de la chance. Un petit bumper pour les faire chier. Oh là 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 là. Oh, c'est bon, je crois que c'est mort encore. Ah non, ah non, attendez. Putain, mais ils ont 3 vies. Ah mais voilà, un peu d'attaque match. C'est pas risqué, et en plus c'est puissant. Gage. Oh putain. Mais voilà, putain, mais il part trop vite, trop doudou. J'ai même pas réussi à en buter. Hein. Allez, All-Star match 4. Je vais reprendre Falcon, puisque je vais lamentablement rater mon All-Star mode, là. Pour le défi de Bastien, donc c'était un peu une honte. J'essaie de reprendre convenablement le Captain Falcon. Je vais essayer d'utiliser plus de bébins, n'est-ce pas, Link Orange? Ah, c'est vrai que c'est plus puissant. Ah, laisse-moi attaquer un peu, je suis censé être rapide. Voilà. On en a 22 minutes et il nous reste après 10 défis. Je pense pas que je vais faire les... jusqu'au défi 50 dans cette vidéo. Je laisserai le reste pour la dernière, avec le mode aventure. Luigi. Putain. Oh, la honte, quoi. Mais la honte. Je suis mort en étant invincible. Allez. Heureusement qu'il y a ce coup, franchement. Qu'est-ce que je ferais sans ça? Ah, il est pas mal ce stage. Je crois qu'il avait jamais été repris en plus. Rondoudou. Mais putain, mais c'est pas vrai, dégage. J'ai réussi à me faire buter par Rondoudou. Allez. Du balai. Voilà. Espèce de sac de marshmallow là. Allez. Oh, destination finale. J'aimerais bien le débloquer ce stage. Avec l'event 51. J'adore ce stage de façon. Non, c'est pas la bonne chose à faire, ça. Allez. Béo, là. Pas mal. Béba. Smash. Ah, putain. Il a réussi à me toucher. Nickel. Bon, ça va. Falcon, franchement, il est puissant, hein. Faut juste faire attention. Putain, je le sens pas, lui, dans cette petite arène. De l'autre côté. Non. Putain. Mais putain. Bon, ben voilà. On va essayer d'aller jusqu'au 45. Mars qui défie Link à l'épée. Ok. Bon, la prochaine vidéo, je sens qu'elle va être un peu plus longue quand même, parce que le mode aventure, la fin des défis, et je vous rappelle qu'il reste quand même 10 tableaux de cibles. Mais bon, j'ai envie de tout mettre dans ces deux vidéos, donc c'est pas grave si ce sera plus long. Oui, il y avait aussi un truc, je n'avais pas fini d'ailleurs ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était au niveau de la compétition. Parce que... c'est quand même fou à quel point ce jeu est devenu compétitif, quoi. Même quand Sommel est sorti, il a eu un succès fou, mais on parlait pas encore vraiment de compétition comme on voit aujourd'hui avec les lives et tout, c'était pas encore standardisé, on va dire. Et c'est vraiment à partir de... Ben, Brawl, en fait, il est pas trop utilisé dans les concours et tout, parce que c'est vraiment Melee qui est utilisé pour les lives. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc annuel, là où le Melee est utilisé. Mais c'est quand même, je pense, à partir de Brawl et son online, et avec évidemment l'expansion des lives sur internet, qui est venu cet esprit de compétition là avec Smash Bros. C'est vrai que maintenant, même à la Japan Expo, on voit des Smash Bros maintenant, pour faire des compétitions. C'est marrant cet aspect compétitif, parce que je pensais pas, quand j'ai connu le jeu au départ, là sur 64, ça payait pas de mine. Petit jeu de combat défouloir, voilà, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, cet aspect compétitif. Je pensais que ça allait rester un divertissement, voilà, sans plus, quoi.
Allez, défouloir jouissif. M'énerve Link là. Par là. Oh putain, il est chiant, on me touche à distance. Je peux pas charger quoi. Ah, mettre une petite mine. Prendre ça. Putain, il est mort, je suis mort avant lui. On va rien dire bien sûr. Alors encore Luigi. Et puis quand Bowser est-il si gros? Il faut qu'il fasse un régime hein, aussi. Force de bouffer des étoiles. Putain, par contre, il est gros. On va essayer de le faire bugger là, avec le vide à côté. Regardez. Il est complètement nul quoi. Il est tellement gros qu'il a du mal à se réceptionner. Je l'ai buté une fois. Ah, cet event est vraiment chaud aussi, parce que vous voyez qu'on barre vraiment mais super vite quoi. Bowser est tellement gros que. Il faut essayer de le faire bugger absolument, parce que sinon, en 2-3 coups, il vous fait partir, quoi. Et voilà. C'est juste super hard. Bon, je crois qu'on en a au moins 20 fails dans cette vidéo. C'est magnifique. Oiseau de proie avec Fox. Sont de retour pour combattre Fox. Ok. Bon, on attend le DLC de Fox pour Mario Kart, bien sûr. Non, mais franchement, si Sakurai était... Enfin, si on mettait Sakurai à la direction des Mario Kart, des prochains opus, j'entends, on aura Mario Kart avec 120 circuits, hein. 120 circuits, des options en voiture, voilà, avec 50 personnages jouables, des tonnes de cartes, ce serait pas mal, hein. Il faudrait qu'ils s'occupent aussi des Zelda et des Mario, comme ça on aura des Mario avec 200 stages, et des Zelda avec 50 donjons. Vu comment Sakurai à chaque fois. Voilà, il fait vraiment ses jeux à fond. Franchement, pour Smash Bros. Wii U, il a mis sa vie privée entre parenthèses hein, pendant quasiment un an. Il a bossé dessus comme malade, quoi. C'est un rythme de vie phénoménal. Jusqu'à altérer même sa santé, quoi, pour faire le meilleur jeu possible. Ça force le respect. Et dans ce cas-là, franchement, moi, je supporte pas que des gens après viennent critiquer le jeu pour dire « Oh, c'est toujours la même chose chez Nintendo, avec Smash Bros, machin, qui sort. » Donc Smash Bros, c'est un jeu par génération. Bon, là, il y en a eu deux, parce que voilà, c'est avec la 3DS, premier opus portable. Le mec, il a bossé quand même malade dessus, et après, les gens viennent critiquer. Voilà, moi, je supporte pas. J'ai fait n'importe quoi, parce que j'ai même pas regardé ce que je faisais. Ne perdez pas votre temps contre Zelda, Mewtwo est de retour. Donc il va falloir tuer quelqu'un. Il doit falloir tuer Mewtwo certainement. Il va prendre Ganondorf. Oui, je sais que mon antivirus fait des tâches de fond, tu m'emmerdes. Allez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait une histoire de Mewtwo, non? Ne perdez pas votre temps contre Zelda. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a Mewtwo qui va arriver après. Ou alors il faut d'abord tuer. Ah voilà. C'est bien ce que je me disais. Je crois qu'il faut d'abord tuer. Faut tuer Mewtwo, je crois. Oh purée, ça va être chaud. Je suis trop lent. Allez, dégagez. J'ai pas le temps de me réceptionner. Bam. Oh là 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 là. C'est terrible. Je vous assure, c'est terrible. C'est de la grosse merde. J'ai quasiment raté tous mes events. Et je vais peut-être rater celui-là encore. Youpi youpi. On va rester là. D'accord. Non mais, avouez franchement. Qu'est-ce que je pouvais faire là? Non mais je rêve là. Non mais je rêve. On va s'arrêter là. C'est pas possible. Je vais juste faire un ou deux tableaux là, mais j'hallucine. On était à NES. Putain, la raclée. Oh mon dieu, la raclée, quoi. C'est minable. C'est minable. Bon, on va essayer de pas trop fail ici. Alors, voyons. Quand il ressemble au truc de NES, je crois qu'il est pas trop dur. Faut juste pas que... voilà. Je fais trop de merde. Alors, attendez, comment je peux faire là? Comme ça. Putain.
je pense qu'on va s'arrêter là, les gens. Je vais vous dire salut à tous à la prochaine pour la dernière vidéo, parce que je crois que cette vidéo, elle veut pas être tournée, elle m'aime pas. Cette vidéo ne m'aime pas. À la prochaine pour la dernière vidéo, on terminera les 5 derniers défis, les cibles qui se trouvent ici, et le mode aventure en essayant de le terminer en moins de 18 minutes et en normal pour essayer de faire apparaître Giga Bowser que je n'ai jamais fait apparaître dans le jeu au final quand j'ai fait le jeu à l'époque. Salut à tous et à la prochaine.